J'attends JP sur un canapé juste en bas de chez lui. Tranquille. Posé. Je fais des pauses. Ouais, non, c'est vrai. Il est en retard. Destination d'aujourd'hui, c'est 105 km pour arriver jusqu'à Évreux. On s'est arrêté vite fait à Mantes-la-Jolie parce que on avait un peu faim en fait. Il est que 9h36 et on est déjà à moitié du trajet. Franchement, on allait vraiment vite, donc moi je suis content. Le temps n'est pas très beau, mais franchement ça passe parce que comme ça on n'a pas trop chaud et j'ai pas de coup de soleil comme la dernière fois. Et en plus ici, donc on a la boulangerie juste là, mais juste en face on a un spot, les gars. C'est n'importe quoi, regardez-moi ça. Wouh, on peut faire plein de trucs là. Bon, après on n'est pas si en forme que ça, mais je pense que ça va marcher. Ça, on va faire quelques trucs. Mais de Paris là. De Paris? Ouais. Là, vous êtes parti ce matin. Ouais. Ce matin. Ouais. Ok, d'accord. Moi je prépare justement un tour du monde. Un tour du monde? Monde. La vélo. Ah ouais. Après c'est. Bon, ce sera un train voyage après. Ouais. Je sais pas si je ferai exactement le tour de la planète, mais. Ouais. Mais l'idée, ouais, c'est vraiment de partir longtemps. Wow. Voilà, de tout plaquer et de me barrer. Trop stylé. Ouais, mais du coup, là j'arrive en voiture, je vois tous les vélos, je dis tiens, j'allais discuter avec eux. Ouais, il y a vraiment. C'est trop du bien. Du coup, là vous allez à Montpellier ou juste c'est. Là en fait, on fait du parcours. Du coup, c'est pour ça qu'on s'entraîne un peu sur les spots qu'on rencontre là, parce que ça on connaissait pas. Ouais. Et du coup, on découvre un peu sur chaque endroit où on va. On s'arrête quelques jours, selon si on a envie ou pas. Je suis sur ton coup. Vas-y. Il repart. Il revient. Revenez pas là-bas. Attends, ah, je commence. Pardon, il repart. Il revient. Ah, il repart. Je voulais faire un costard. Il a mal. Je voulais faire un costard. C'est pas une bonne idée de faire du parcours après 50 km de vélo. Ça va? La créativité est de rigueur en parcours. Allez, mon ami. Oh, j'ai réussi. Genre, il lance des bitus comme ça. Ah, j'ai réussi. Putain, c'est magnifique. Alors déjà que c'est super beau, mais en plus, là-bas loin, il y avait un Bambi. Comment ça s'appelle un Bambi? C'est pas un Bambi, c'est un... Bref, vous avez compris. Et c'était... Putain, il a zigzagué, il a fait... Et il sautait comme ça, genre sur les... Oh, c'était magnifique! Trop content d'avoir vu ça. Je pensais que c'était un lapin, mais après je me suis dit, mais l'herbe elle est haute. Pour un lapin, c'est un gros lapin quoi. Et du coup, bah en fait non. Google Maps aurait pu trouver un endroit plus... plus routeux quoi. Alors quoi, il a fallu ça. Bon, JP est trop fatigué pour continuer, donc il va dormir un peu. Mais regardez-moi ce blédard. Je crois que je rigole. Il peut pas vraiment se mettre là. Regarde-moi, il y a rien. Je vais dormir. Vas-y, sinon je t'envoie un message. Parce que moi... Oh putain, regarde ta main, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ah, ça se voit que sa chaîne elle est tombée. Hein. Ouais. Allez, ciao. Chut. Allô, tu m'entends? Ouais. T'es où là? Je suis loin. T'es loin? Ok, bah moi je t'attends au tacos. Ok. J'ai pris un tacos double viande et là on va se déguster.
J'ai fait 111 km. Je suis rentré dans un stade parce que j'avais vu sur Google Maps que en fait il y a ça ici où c'est assez protégé, je pense, pour dormir la nuit, c'est bien. Donc non, peut-être que le stade il va fermer la nuit, mais on va quand même escalader, je crois. Et puis là, je voulais m'entraîner un peu parce que c'est pas assez entraîné, bien sûr. Non, je rigole, mais voilà. Donc je voulais faire les squats, tout ça pour continuer mon entraînement physique que j'ai pas fait. Ok, donc je sais pas si vous connaissez le Air Alert, mais c'est un programme sportif pour entraîner sa détente dans le basketball normalement. Et je l'ai fait pour le parcours, moi, parce que je veux améliorer ma détente. Normalement, je suis assez fatigué là, mais je vais le faire quand même. Allez, je commence et je vous montre un peu les exercices. Donc là, je suis à la... Je fais ces squats sautés. Je fais 3 fois 30, donc 3 séries de 30. Et là, je suis à la semaine 4. Donc après, normalement, en tout, il y a 15 semaines avec une semaine de pause. Voilà. Et donc enfin, le dernier exercice, il faut pas toucher avec les talons, il faut rester sur la pointe des pieds. Et là, il faut faire 2 séries de 200, et ça s'appelle des burn-out. Et par contre, je suis sale, du coup, je pensais me baigner là dans la rivière, juste là. Et donc j'ai préparé mes affaires, on va voir. Je dois laver aussi mon t-shirt et tout, j'ai le savon, là. Déjà, il fait super froid dedans là, et puis je dois aller voir JP. Voilà. J'ai l'impression qu'elle est chaude tellement l'eau elle est froide, et du coup elle me brûle les pieds. Et là, je sais pas, quand je sors, je vais même plus pouvoir marcher. Maintenant, c'est à mon tour. Ok. Ah. Elle est vraiment gelée. Allez, comme ça j'ai 3 trucs à sécher. Le problème c'est que ça sèche pas trop vite d'habitude. Donc demain je vais peut-être les attacher sur le sac ou sur le vélo, ouais, plutôt. Comme ça, ça séchera en chemin. On vient d'arriver au stade où on va dormir. Là, on a attaché nos vélos ici, voilà, au bar. Et du coup, là, on va escalader par ici, parce que là, il n'y a pas de bar. On va tout en haut, ok. Viens. Ouais, personne nous verra. Ok, on a installé la Mac. Vas-y, JP, fais un test. Ça va? Salut. Donc là, il est quelle heure? Il est 7h. 7h et quelques? 43. Ah, tu le vois par le soleil? 43. C'est parti. C'est un génial. Ok. Et bah, du coup, on voulait se réveiller à 6h, moi j'ai pas réussi, j'étais trop fatigué. Et en fait, j'ai dormi mieux sur ce banc à la fin parce que sur la Mac, j'étais un peu inconfortable vu que j'avais trop mangé hier. Je vais faire plein de petits rots pour digérer. Genre, voilà. Et du coup, bah,
On y va là. C'est bon, je me prépare. Ok. Tranquille. Allez. T'es prêt? 140 km. Combien? 135. Et on va dire 140, donc on va se perdre. Tu as le petit relais.